Tu m'approches de l'Endurance. De quoi t'as besoin exactement? Alex, on se faisait un sang d'encre. J'ai besoin d'une barre de rupture et du reste de mes outils. Sinon, je peux pas réparer le bateau. D'accord, je m'en occupe. Lara se dirige vers toi. Tu ferais mieux d'attendre. Lara? Non, non, c'est pas la peine. Je vais silence radio. Alex, qu'est-ce que tu fais? Je vais attirer dessus. Ah, c'est des détails. C'est quoi? Et salut à tous les amis, c'est Agorstis. Aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Tomb Raider. Moi pour ma part, je vais très bien, j'espère que tu vas bien. Et puis alors, ça commence bien. Bref, comme vous l'entendez, je suis en possession d'un tout nouveau micro. Je suis donc passé du Logitech U600 ou L600, je ne sais plus exactement, à un Sennheiser PC320. Et là, franchement, je dois dire, la qualité devrait être plutôt pas mal. Vous m'excuserez quand même, déjà de part mon ébouché, parce que aucune vidéo ne se fait pas sans un ébouché avec l'écran qui tremble, tout va bien. Et aussi, il y aurait peut-être des potentielles coupures dans le son de ma voix. Le casque n'est pas encore tout à fait bien programmé et je m'en excuse. Je l'ai seulement depuis ce week-end. Et enfin, dans le week-end auquel je tourne, quand vous verrez cette vidéo, enfin, ce sera depuis plus d'une semaine déjà. Donc, bref. Lors du précédent épisode, nous avons décidé de partir à la recherche de Alex, qui est sur l'Endurance pour récupérer des outils. Mais celui-ci fait silence radio pour. Comme s'il voulait faire le bourre. Je sais pas. On perd notre temps. Oh putain, mais combien de temps ça fait? Mais il leur sert à quoi d'abord? Ça fait tout. Je passe commande, on exécute, sans poser de questions. Et on a déjà livré tous ces forçables la semaine dernière. Qu'est-ce que tu prévois? Éclairer un stade ou quoi? Ça va mieux te taire, mon frère, ne parle pas comme ça. Reste bien stable, on le remonte. Qu'est-ce qui se passe au palais à votre avis? Bon, je me fais repérer. Il y avait un problème, ils nous appelleraient. Ouais, mais la radio, il n'y a pas eu un signal de toute l'année. Il se passe quelque chose. Arrête. Attends, c'est quoi? Bordel de merde! Ramenez-vous, pareil! Ramenez-vous! Bon, j'ai fait une erreur. Tu vas crever! Je suis déjà mort. Reste bien stable, on le remonte! Qu'est-ce qui se passe au palais à notre avis? C'est de la boutade. Il y avait un problème, ils nous appelleraient. Ouais, mais Dario, il n'y a pas eu un signal de toute l'année. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit que te taire, mon frère. Arrête tout de suite. Attends, c'est quoi, c'est? Putain, c'est pas vrai! Tu parles toujours. Mon frère, arrête! Je suis pas ton putain de frère! J'en peux plus de cet endroit! J'en peux plus de passer mon temps à récupérer ces merdes! Hey, amenez-vous! On a un. C'est pas vrai! Que je survive! T'es foutu! Bla bla bla. Putain, je suis nul. Bon, on l'a fait moins crispé. Voilà, dans les fesses. Ah,
Waouh, qu'est-ce qu'il a fait? J'avais jamais vu ça. On s'en fout, descendez et débarrassez-vous d'elle. Ouh, toi, je vais me faire un plaisir de t'esquiver. Pan! Aïe. Aïe. Yes. Bon. Coup de grâce royale. Ha ha. Bien. On sort pas mal. Dixit, le mec qui s'est fait tuer 4 fois. Et vous allez voir, je me laisserai pas faire. Je me refais un petit peu du stuff. Ah, un peu de lecture. Rapport d'expédition. Notre base côtière a été attaquée par des assaillants inconnus. Nous soupçonnons les Américains d'avoir débarqué sur l'île pour saboter nos opérations. Les communications ont été interrompues dans toute l'île et nous avons subi de lourdes pertes. Beaucoup de nos soldats ont tout simplement disparu. Tout le personnel restant est maintenant affecté au monastère afin de contrôler les phénomènes météorologiques. Nous nous attendons à rencontrer une forte résistance. Nous demandons des renforts d'urgence. Excusez-moi, je vois là, j'arrive. Bon, continuons notre épopée. La voilà. Ah, j'ai pas cherché à comprendre. Va passer loin celle-là. Par contre, je vois absolument rien. J'ai le son qui est sur l'écran en fait. C'est pour ça que je vois rien. Mais putain, qu'est-ce qui a tiré? À couvert, on a un intrus. Ah, 2 pièces de fusil à popon. À popon, popon. Par là, elle est au premier étage. On va essayer de la contourner. Question. Hmm.
de pinguer un petit peu pour repérer ce qu'il faudrait brûler. J'ai bien que là-bas, il y a un truc. Il est là-bas. Wouch! Voilà. Sérieusement, il est là. Il tire pas. Eh mec, t'es moche. Quel con. Non mais quel con, je vous jure. Hop là. Hop. Je sais déjà plus à combien de temps d'épisode on est. Quel amateur je fais, dis donc. Voilà. Hop, hop, hop. La vache. Je vous le dis, en réalité, c'est pas le genre de truc que je saurais faire moi-même. Déjà, même quand je fais d'escalade, j'y arrive pas. Oui, j'en ai déjà fait avec l'école, mais voilà, c'est... Non, comme dirait certains. Et la dernière, elle est sur la grue, quelque part. Mais elle est sur la grue. Excusez-moi mon débouché, bordel à cul, comme d'habitude. C'est... C'est la saison des nez bouchés, j'ai envie de dire. Il fait chaud, il fait mauvais, Alex, il fait chaud. Dans quelle galère est-ce que tu allais te fourrer? Et puis il fait mauvais. Attendez. La géocache elle est sur le toit normalement, ça je me souviens bien. Ah la voilà, je suis passé à côté. Voilà. C'est ça que je voulais en fait. La lumière fut. Qu'avons-nous ici? C'est daté de Meiji 6, autrement dit 1873. Mm-hmm. L'une des faces est érodée, comme si on l'avait frottée trop souvent. Peut-être le porte-bonheur d'un soldat? Peut-être bien. Pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire éroder, ça veut simplement dire user. Voilà. De l'usure. Tout ce qu'il y a de plus bête et méchant. Un sacré camion quand même. Lara a entièrement raison. Il se passe des choses étranges ici. Un peu que j'ai raison. Le phénomène naturel qui détraque la météo, la base de recherche militaire, la reine solaire et cette secte d'illuminés. Si je l'avais pas vu de mes yeux, j'aurais cru à une mauvaise blague. À moins qu'il y ait des caméras planquées dans les arbres. En tout cas, je dois bien admettre que ça fout les jetons. Je continue à faire des blagues pour ne rien laisser paraître. Reyes va bientôt m'en coller une. Il faut que je me rende utile avant de devenir fou. Excusez-moi. J'aimerais être comme Lara. Elle est incroyable. Non seulement cette fille est brillante, mais en plus, elle assure dans l'action. Vu qu'elle m'a pas remarqué jusqu'à maintenant, c'est pas maintenant qu'elle va commencer. À moins que j'arrive à attirer son attention. Voilà, moi j'ai l'impression qu'il est amoureux d'elle, ça fait que confirmer tout le bordel. Alors, point de compétence, où vais-je te mettre? Là, t'en as pas besoin. Expert en pistolet, expert en fusil. Qu'avons-nous dans les survivants? Rien qui puisse être intéressant. Bon bah, expert en pistolet. Ici, qu'est-ce que je peux améliorer? Je tique. Alors, un petit silencieux. Est-ce que ça manque un petit silencieux? Hop, canon de précision.
Voilà, j'ai plus. Je n'ai plus rien. Excusez-moi pour mon ébouché, je suis désolé. Et hop! Il y a une géocache qui se cache sur le bord. Hop! Voilà. C'est bien ce truc qui se cache ici, je pense. Donc, retour aux origines. Donc, sans problème, Algaïa. Alors, pour se battre contre lui, ça va être marrant. On va se protéger la tête. Je vais te montrer de quoi le petit rat est capable. Je vais t'attraper, petit rat. Bon. Hop! Prends! Ascenseur à cordes. Et pas ascenseur à cordes comme je disais à une époque. Hein. Forcément, je peux rien faire ici. Il s'est passé tant de choses. Ça. D'une certaine manière, je dois remercier Lara pour ce boulot. Elle a toujours cru en moi. La plupart de ses amis snobs de l'université méprisent la réalisation. Ils n'ont vu en moi qu'une écervelée qui empêchait leur petite protégée de se concentrer sur ses études. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'au fond d'elle-même, Lara a vraiment soif d'aventure. C'était son idée de partir en Bulgarie avec juste nos sacs à dos. Même si elle ne s'attendait pas à ce que je la traîne dans cette boîte de nuit à Sofia. Et je crois qu'aucune de nous deux ne serait partie seule en Tanzanie au printemps dernier. Mais nous y sommes allés. Deux étudiantes explorant des ruines sur la face sud du Kilimandjaro. Lara avec son carnet, moi avec ma caméra. Elle est comme ça, la vraie Lara. Aventurière, intrépide, intelligente. Et peut-être un peu moins coincée grâce à moi. J'espère que nous vivrons beaucoup d'autres aventures ensemble. Ah, ça pour le coup... Ils en vivent des aventures. Un peu farfelu, mais ils en vivent. Où
pas de renfort. Il y a beaucoup de bruit ici quand même. Il y a énormément de bruit. Énormément. Ça qu'on fait. C'est très explosif. Voilà. Allez. Ah, enfin, je t'impressionne. On va te sortir de là. Ah, désolé. Bon, on dirait que ma carrière de danseur est foutue. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous tuer. Je vais pas m'en sortir, Lara. Prends les outils. Je ne pars pas sans toi. Mais c'est pas tous les jours qu'on peut mourir en héros. Les autres ont dit non. Vas-y. Bah l'étendard, je l'ai oublié, regardez, on le voit là-haut. Juste là. Là. Il est trop loin. Et hop là.
la brûler. Et hop. Un vieux journal. Rapport d'expédition. Après plusieurs mois de recherche, nous avons pu réunir des informations sur les phénomènes météorologiques de l'île. Le tombeau d'un important général datant de la période Kamakura a été découvert sur le site de fouilles près de la côte. Cette découverte est la pièce manquante du puzzle. Elle va nous permettre de prendre le contrôle des tempêtes. Mais les fouilles ont alerté Léonie. Ils sont en colère. Nous devons accéder au monastère, à la chambre des rituels. C'est là que tout va se jouer. Des ruines dans la vieille base. Contrôler les tempêtes. Il me faut des réponses. Bon. Je regarde autre chose, tout va bien. Sésame, allume-toi. Pouf ! Voilà. Je regarde s'il n'y a rien d'autre à récupérer ici. Manifestement, on peut s'en aller l'esprit léger. Il y a encore ça là en bas. Hop. Hop. Wouch. C'est une Tempo Tsuro. Difficile de lire la date, mais le Japon en a produit des milliers au milieu du 19e siècle. Tenpon-su. Une espèce de pièce, quoi. Bizarre, bidule. Bon, regardons un petit peu la carte. Je suis la carte. Ah, il me manque une géocache ici. Et pour l'avoir, il faut que j'en remonte, hein. Bon allez, on va se dépêcher. Mais n'empêche, le dernier trésor, je me demande où il est. De toute façon, je suis passé devant comme un idiot, hein. Comme je le fais souvent avec beaucoup de choses. Je passe devant, je le vois pas. Géocache est là. Voilà. Et normalement, le dernier truc. Bunker des falaises. Il m'en manque encore deux. Ah ah. Il m'en manque deux. Quant aux documents, je les ai tous. Relique, il en manque une. Bon. Moi je dis, continuons notre aventure. Jusqu'à trouver ce qu'on doit trouver, et puis ce sera bon ainsi. Hein. Je sais bien qu'il y en avait une dans le coin. Ah bah elle est là. Hop là. 4 sur 5. Voilà, on va chercher après la prochaine. Dès qu'on aura la carte. On s'arrêtera en retournant chez nos amis. Voilà. Et j'ai la dernière pièce du puzzle. Même si c'est pas une pièce de puzzle. Les Portugais frappaient ces pièces au 16e siècle pour leur colonie de Malacca, en état actuel de la Malaisie. Elle doit provenir d'une des épaves de galion échouées sur l'île. Comme je le dis, apprenez l'histoire avec Lara. Voilà. Alors, où ai-je laissé la géocache?
Elle est là-bas. Bon, je vais la chercher. Puis ça se trouve, je viens de faire ça pour rien. Ah non, elle est là. Voilà. Bon bah, vu qu'on a tout dans le secteur, je voulais donc vous dire, retournons auprès de nos amis. Et dès qu'on sera là-bas, on s'arrêtera là. Ça fera un bon épisode d'une demi-heure. Même si j'avais dit que je ne devrais plus en faire. Mais je le fais quand même. Je suis têtu. Bon. Oui, désolé pour ce bruit, c'est mon verre de coca. Parfois quand je le bois, ben, à partir d'un certain niveau dans le verre, ça fait ce bruit là. J'ai jamais compris le délire. Allez. Putain, mais je suis trop con moi quand je veux. J'avais pas besoin de retourner. Quel imbécile je suis. Oh là là, je suis un imbécile quand je veux. Oh là là. Mon Dieu. D'ailleurs, j'espère que vous aurez apprécié la fin de Dying Light, hein, vu que nous l'avons fini il y a peu. Franchement, je vous laisse y aller de vos théories sur la fin de Noah. Parce que franchement, je l'ai vu et je suis pas sûr d'avoir tout compris. Même si la mienne, j'ai envie de dire, était la solution la plus simple et efficace. Certes, on sacrifie la vie de milliers de gens, mais au moins on est sûr que l'infection est purgée. Bon, c'est un peu ce que le ministère voulait faire au départ. Sérieusement? Avec le bruit qu'il a fait, les autres n'ont rien capté. T'as entendu? J'ai besoin d'aide par ici! Mettez-vous à couvert! Discrétion zéro, hein? Voilà. Bon, ça c'est fait. Alors, si j'ai des choses à ramasser par ici. Il n'y en a pas à l'air. Hein. Ça c'est une carte au trésor à ramasser plus tard. Ça c'est un lieu inconnu. Il semblerait que j'ai un petit peu près de tout ramassé. Déminage. Il en reste deux. Je sais pas où elles sont. Tombeau exploré, je sais où il est. Les géocaches, je sais pas où elles sont. Ça se trouve, c'est des trucs que j'ai trouvés. Plutôt. Mais bon, on se fera quand même un épisode explore avant d'entamer la fin. Voilà. Tout ce que je vais dire. Lara. En entendant l'explosion, on a cru. Alex? Il était encore à bord. On dirait que ceux qui t'approchent te trouveraient ont toutes les chances d'y passer. Eh ben, garde tes distances. On va d'abord manger un peu. Ces salopards nous fichent la paix, mais ça risque de pas durer bien longtemps.
Quitte à mourir sur cette île, autant mourir le ventre plein. Pour retrouver le moral, y a pas mieux. Enfin, quelque chose de positif. Quand Reyes aura réparé le bateau, nous retournerons à la civilisation en un rien de temps. Alors, nous aurons des choses à raconter. Tu parles. Je ne veux plus jamais entendre parler de Himiko. On peut sortir le bateau à marée haute. Non, on ne peut pas. Recommence pas avec ces conneries, Lara. Lara n'est pas la seule à penser que nous sommes prêts au piège. Mathias était peut-être fou, mais il en était convaincu. Je l'ai vu dans ses yeux. Il croit que la résurrection de Himiko lui permettra de quitter cette île. Oh, ça n'a pas de sens. Rien sur cette île n'a de sens. Ces tempêtes ne sont pas naturelles. Personne ne peut nier ça. Elle a raison. Quand l'Endurance a été prise dans la tempête, je l'ai ressenti. C'était vivant. Cet endroit est maudit. Où est-ce que tu vas ? Aux ruines derrière la vieille base, sur les falaises. Quelque chose leur a fait croire qu'ils pouvaient contrôler les tempêtes. Il faut que je sache ce qu'ils ont découvert. On partira dès qu'on sera prêt. Que tu sois là ou pas. Je ne pars pas sans toi. Bon. Bon bah sur cette séquence, on va se quitter. Donc sur ce, les amis, si vous avez aimé, vous devez accéder à la chambre des rituels du monastère. Il faut réparer ce bateau. Je ne sais pas encore comment je vais convaincre les autres de remonter la rivière plutôt que de partir au large, mais il faut que j'y arrive. C'est surtout Reyes qu'il ne sera pas facile de persuader. Elle veut rentrer auprès de sa fille, et la mort de Ross l'a bouleversée. Comme nous tous. Je ne sais toujours pas pourquoi Mathias voulait enlever Sam, mais pour le moment, peu importe. Elle est avec nous maintenant. Elle est à l'abri. C'est bon ? Non mais, franchement. Ah. Donc je disais, si vous avez aimé, pouce vert, si vous n'avez pas aimé, pouce rouge et commentaire pour dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Et sur ce, si vous faites les fous, sortez couverts et prenez soin de vous. C'est Agostis pour Tomb Raider. Bye tout le monde, portez-vous bien.